Non, ça fait quand même spécial. Tu pars comme ça en fait. Je sais pas, évidemment, pas coincé. Rang spécial, c'est pas bien. Spiro. Hey Spiro, quelle belle nuit, hein? Que veux-tu, Sparks? Mais rien du tout, quelle question. Je me prépare juste à la meilleure journée de ma vie, maintenant que le dragon psychopathe a disparu. Qui? Cinder? Que veux-tu dire, Sparks? Hé hey, doucement, mon grand! Est-ce que tu peux être nerveux? Tu dors pas beaucoup, hein? Tu devrais écouter Voltaire raconter une de ses histoires. Ça endormirait n'importe qui. Sparks, que s'est-il passé? Ok, t'es assis? Je me suis levé pour aller prendre l'air. C'est que je dors pas beaucoup, moi non plus, ces temps-ci, avec la folle dans les parages. Et là, devine qui je vois, se faufilant dans le jardin. Ouh, elle me file vraiment la chair de poule. Écoute mes dents. Viens, il faut qu'on la trouve. C'est dangereux pour elle d'être hors du temple la nuit. C'est dangereux pour tout le monde d'être dehors la nuit. De plus, Ignitus a dit que tu devais attendre que tes pouvoirs reviennent. Parce que t'es faible. Pas le temps de discuter, viens. Ah, tu serais sans défense sans moi. Je ferais mieux de t'accompagner. Doucement, il ne faut pas le réveiller. Quoi? Avec tous ces ronflements, je t'entends pas. Oui, bien sûr. La vérité de toute chose. Thank you.
Cinder, qu'est-ce que tu fais ici? C'est dangereux. Tu n'aurais pas dû me suivre, Spyro. Je suis bien d'accord. Allons-y. Salut. S'il te plaît, ne me rends pas tout ceci plus dur que ça ne l'est déjà. J'essaie seulement de comprendre. Je m'en vais, Spyro. Je ne suis pas à ma place ici. Après tout ce que j'ai fait, je ne peux pas rester ici. Cinder, personne ne te reproche ce qui s'est passé. Moi si, parle pour toi. Sparks. Non, Sparks a raison. Et chaque jour qui passe me le rappelle cruellement. Spyro, ta place est ici. Ta destinée est ici. Mais moi, je me dois de trouver ailleurs quelle est ma place. Cinder, je ne veux pas que tu t'en ailles. Adieu, Spyro. Bon, on va enfin pouvoir dormir tranquille ici. Ça fait des semaines que je dors que d'un œil. Un œil après l'autre, bien sûr. Ça soulage la fatigue, mais on finit par s'enlacer. Eh, c'est nouveau ce tic? Spyro, ça va mon gars? Eh, moi aussi je veux dormir, mais on a 2 minutes. On ferait mieux d'entrer. Il fait noir ici, et j'aime pas ça. Eh oh, y'a quelqu'un? Ouhou! Des endroits spéciaux, c'est normal. Ohé ! Il y a quelqu'un ici ? Ne sois pas effrayé, jeune dragon. Tu n'es pas seul. Qui êtes-vous ? Quel est cet endroit ? Je t'ai invoqué ici pour que tu sois averti. Les lunes célestes ont commencé leur décompte. Il reste peu de temps. Comment c'est arrivé? Le dragon violet a de nombreuses aptitudes que les autres n'ont pas. Le temps en fait partie. Apprends à maîtriser cette capacité et tu pourras voir des choses presque avant qu'elles ne surviennent. Mais utilise ce don avec sagesse. Seulement quand les circonstances l'exigent. La manipulation du temps demande 1000 précautions. Tu sembles avoir abandonné ta véritable voie.
C'est ta destinée de maîtriser le pouvoir des éléments. Pourtant, tu n'y sembles pas préparé. Voilà un moment que je ne suis plus capable d'utiliser mes pouvoirs. Oui, ils sont encore endormis au fond de toi. Voyons si nous pouvons les réveiller. Libère ton esprit, Spyro. Sens le feu qui court dans tes veines. Laisse sa chaleur te consumer et respire-la. Maintenant, lève-toi et relâche cet ouragan de flammes. Très bien, Spyro. Tu fais ça avec un parfait naturel. Maintenant que le feu primitif s'agite en toi, montre-moi que tu le contrôles. Oh, Charles.
Tu as bien agi. Il est temps pour toi de repartir. Mais attention, Spyro. L'ennemi approche. Attendez, vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes. On me nomme le chroniqueur. Cherche-moi. Eh oh, oh, ohé, y a quelqu'un? Oh, ohé. Il se passe quelque chose, Sparks. Je ne peux pas l'expliquer. Sans blague. T'es tombé dans les pommes et on se croirait à la fin du monde ici. Écoute. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Le temple est attaqué! Les autres dorment toujours! Il faut qu'on y aille! T'es fou? Tu veux te jeter droit dans le danger? Il faut trouver un autre moyen pour entrer. Viens! Bah, j'aimais mieux quand tu dormais. Le dragon violet. Salut, tête de macaque! Maintenant qu'on s'est dit bonjour, on peut se battre? Ou plutôt, vous vous battez, moi je compte les points. Oh, alors là...
This was a condition. Comment ça? Thank you.
Thank you.
Me voici! Essayons encore. Thank you.
Évidemment. Thank you.
Thank you.
Viens ici, jeune dragon. Nous avons besoin de ton aide. Concentre ton attention sur le dragon violet. Tu te débrouilles tout seul avec celui-là, hein? Celui-ci? Quelle différence avec celui d'avant? Ou celui qui l'a précédé? Hein? Il parle vaguement de se préparer à mourir. Ou de se prélasser et sourire. Ouais. Non. Ouais. On va faire comme si t'étais content de nous voir et tu nous souhaitais une bonne journée. Auquel cas, on te remercie. Tout le monde va bien ? Où est Cinder ? Tu vois quelque chose, Ignitus ? Non. Je ne vois pas où Cinder est allé. Il n'y a que des ténèbres. Attendez, Cinder, les ténèbres, c'est pas la même chose? Qu'est-ce ceci? Quelque chose semble se préciser. C'est étrange. Je vous vois tous deux en bas d'un grand arbre. Au milieu d'une sinistre brume. Un arbre? Je l'ai vu, dans mes rêves. Sauf que... ce sont plutôt des cauchemars. Jeune dragon, tu m'as caché des choses. Que vois-tu dans ces rêves que tu fais? Désolé, Ignitus. Je pensais qu'ils finiraient par partir, mais ils n'ont fait qu'empirer. Doucement, Spyro. Réfléchis. Je n'en finis plus de voir une montagne enserrée dans la brume. Un visage de pierre sous deux lunes. Et les ténèbres. La montagne de Malfort. Waouh ! Est-ce que je suis le seul à trouver ça bizarre ? Et puis, un autre rêve.
comme si je voyais le passé et l'avenir en même temps. Et puis cette voix, quelqu'un qui se fait appeler le chroniqueur, c'est là que j'ai vu l'arbre. Impossible. Non, sans blague, pas même une tempête. Le chroniqueur? Quoi? Ne l'encouragez pas. Je ne le crois pas non plus. Je n'ai plus entendu ce nom depuis fort longtemps. C'est notre cas à tous. Mais ce nom ne peut pas être connu de Spyro. Cela est fascinant. Qui est le chroniqueur? Le chroniqueur est un ancien dragon doté d'une sagesse extraordinaire. Mais je n'ai entendu sur lui que des histoires. À dire vrai, je ne donnais pas entièrement crédit à ces histoires, d'ailleurs. Mais maintenant, je me demande... Comme nous tous. Mais si ces histoires sont vraies, étrange que le chroniqueur ressurgisse au moment de l'attaque contre le temple. Sans compter les autres visions de Spyro. Oui, étrange. Les histoires qu'on rapporte à propos du chroniqueur sont rarement de bon augure. Oh, Seigneur! Je me disais aussi, une nuit complète sans rumeur de catastrophe? Ce n'était qu'une question de temps, Ignitus. Nous l'avons tous senti. Une grande malédiction pointe à l'horizon. Peut-être. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Bien des choses inexpliquées se sont déroulées cette nuit. Nous risquons de manquer de temps, Ignitus. Les lunes célestes sont presque à l'éclipse. Nous le savons de façon certaine. Nous devons nous préparer au pire. La nuit des ténèbres éternelles approche. Si elle approche, eh ben moi, je file. Sur ce point, mon jeune et timoré ami, tu as raison. Nous ne sommes plus en sûreté ici. Cette attaque n'était sans doute que la première. Les forces du roi singe connaissent l'existence de Spyro et feront tout pour l'anéantir. L'anéantir? J'aimerais pas être à ta place. Allez, arrêtez avec vos têtes d'enterrement. J'ai peur que Terrador n'ait raison. Aussi incertaines que soient les choses, nous ne pouvons rester les bras croisés et regarder se réaliser devant nous nos pires frayeurs. Exact. Il faut trouver une bonne cachette. Voltaire, toi et Cyril devez aller sur le continent et chercher des renseignements. Terrador, file à la vallée brisée et avertis les habitants que les ténèbres se répandent depuis Malfort. Je resterai pour rechercher Cinder. Ce sont des temps trop dangereux pour laisser errer un dragon. Que nos ancêtres nous veillent et nous protègent en ces temps incertains. Que dois-je faire, Ignitus? Jeune dragon, tu dois prendre une autre route et chercher l'arbre de ton rêve. Si les histoires sur le chroniqueur sont vraies, nous avons peut-être un espoir. Et je pense que je sais où commencer. Il y a un bosquet ancestral dans la forêt, au bout de la rivière d'argent. C'est un lieu secret que la civilisation n'a pas touché. Les eaux y sont empoisonnées, ainsi que les créatures qui y vivent. Mais cela ne devrait pas représenter pour toi un danger. Suis tes instincts. Je t'attendrai ici, au temple, quand ta tâche sera achevée. Super, il nous envoie toujours dans des endroits charmants. Allons, Sparks, ce n'est pas si terrible. Oui, si on oublie les bêtes maléfiques, les visions de cauchemars et les ténèbres éternelles. Ça sonne bien, faut avouer. Ah, sans oublier que nous devons gambader dans une sombre forêt magique à la recherche d'un arbre à la noix. De quoi peut-on se plaindre? Tu as fini? Alors allons-y. Thank you.
clairement. Un magasin. Ouais. PS2. Non mais là je suis en stream toujours. Ah mais... Qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne sais même pas avec certitude ce que je suis censé chercher. Je pense que nous sommes perdus. Hé, hey, t'as essayé ça? Succulent. Allez, essaie. Sparks, n'y touche pas. Tu ne sais même pas ce que c'est. Penses-tu? C'est parfaitement comestible. Allez, vermisseaux, dispersez-vous. Ne vous préoccupez pas du menu fretin. Scab ne veut que du premier choix cette fois. Et il double la récompense pour qui capturera Arboric. Oh, ce n'est pas normal. Ignitus a dit que cet endroit était inhabité. On a dû se tromper à un carrefour. Ce qui veut dire demi-tour immédiat? Mais, ça vient de là. Va voir de quoi il retourne. Oh. Pas maintenant. Bon, tout le monde va bien aujourd'hui? Un petit moucheron de la taille d'une puce. Hé, c'est moi que t'oses traiter de moucheron face de noix de coco. Attrapez-le. Maman. Il fait froid ici. Chroniqueur? Êtes-vous là? J'ai fait ce que vous attendiez de moi, mais j'ai peur de m'être perdu. Tant que les esprits des anciens sont avec toi, tu n'es pas perdu. Calme-toi, Spyro, et apaise tes pensées. Ne laisse pas ton feu te contrôler. Il y a d'autres éléments en jeu. Le pouvoir de la glace court aussi à travers toi, comme le vent froid soulève tes ailes. Laisse-le prendre son envol. Je savais que tu t'en souviendrais. La vie cherche l'équilibre, jeune dragon.
Et quiconque maîtrise le feu et la glace est très puissant en face de dangers inattendus.
Bon, et maintenant, que voulez-vous que je fasse? Je crois que j'ai le droit de savoir ce qui se passe. Tu le sais déjà. Le grand malheur qui approche. Mais il y a plus que tu dois comprendre. J'ai déjà vu cet endroit. Il me fait peur. C'est un endroit maudit, Spiro. On l'appelle la montagne de Malfort. C'est le gîte des fantômes errants et des esprits perdus qui se sont tournés vers les ténèbres. Mais pour les esprits eux-mêmes, ils portent un autre nom. Le puits des âmes. Sparks? Sparks? Sparks, où es-tu? Ah, Spiro, je tiens plus la forme. Mais que vois-je? La première prise de la journée. Thank you.
Ouais. C'est la boîte. Premier méduse, tu sais. Essayons encore. Il faut que je fasse un peu plus attention. Thank you.
Me voici! Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
pride wraps up in all of my classics. Like I never used to run away into the blackness. Now let's pretend like it was all good. Like I didn't live staring in a notebook. Like I did the things that I probably knew I should. But I ain't have neighbors, that's why they call it hood. Yeah. Now let's pretend like I ain't got a name. Before they ever call me B.O.B. or A.K.A. Bobby Ray. I'm talking back before the mixtapes, before the videos and the deals and the fame. Before they ever once compared me to Andre. Before I ever got on my space. Before they ever noticed my face. So let's just pretend and make wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. And it seems like yesterday it was just a dream. But those days are gone, they're just memories. And it seems like yesterday, it was just a dream. But those days are gone. Alright, let's pretend Marshall Mathers never picked up a pen. Let's pretend things would have been no different. Pretend he procrastinated, had no motivation. Pretend he just made excuses that were so paper thin they could blow it with the wind. Marshall, you're never gonna make it. Makes no sense to play the game, ain't no way that you win. Pretend he just stayed outside all day and played with his friends. Pretend he even had a friend to stay with his friend. And it wasn't time to move and schools were changing again. He wasn't socially awkward and just strange as a kid. He had a father and his mother wasn't crazy as shit. And he never dreamed he could rip stadiums and just lazy as shit. School talent show in a gymnasium, bitch. You won't amount of shit. Quit daydreaming, kid. You need to get your cranium checked. You're thinking like an alien. It just ain't realistic. Now pretend they had just make him angry with this shit. And there was no one he could even aim when he's pissed it. And his alarm went off to wake him, but he didn't make it to the rap Olympics. Left to his plane and he missed it. He's gonna have a hard time explaining to Haley and Laney these food stamps and the switch shit. Cause he never risked shit. He hoped and he wished it, but it didn't fall in his lap. So he ain't even here. He pretends that airplane.